C'est très bien. Merci. Ah, véhicule pour baptême, je sais pas donner le bon. C'est moi qui t'ai mis ça. Oui, bah oui, toi, c'était mélangé. Bon, c'est pas grave. Rebonjour. Ouais. Est-ce que tu sais te servir d'un micro? Oui, voilà. À l'horizontale, et tu parles pratiquement le touchant. Hein, de la dilemme. Ouais, c'est comme ça qu'on entend bien. Alors, on a discuté 2 secondes là-bas tout à l'heure. C'est une vraie 2 litres 7. C'est une vraie 2 litres 7, oui. Ouais. Par contre, vu le look. C'est une évocation d'un modèle 73. Alors que c'est pas 73. Non, elle est 76. Et on sait qu'il n'y a pas de 74. Les pare-chocs ont. Voilà. Avec les pare-chocs à soufflet pour les normales. Voilà. Donc là, ce modèle 76, voilà. Qui à l'origine avait des pare-chocs à soufflet et qui a été. Vieilli. Voilà. Comment tu dis? Parce que je connaissais pas. Backdating. Ouais, c'est une mode qu'il y a eu aux États-Unis sur les Porsche. D'accord. Ils faisaient ça pas mal sur les continents. Ils faisaient ça, mais il y a longtemps. On voulait souvent l'ancienne Porsche les réactualiser. Voilà. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Tous ceux qui avaient modernisé leur Porsche à l'époque, hein, pour donner peut-être un peu plus de valeur, ils reviennent aujourd'hui en arrière. Bon. La raison est simple, quand on voit la flotte des classiques, ah ben oui. De 65 à 73, voilà. Ça prend des proportions. 73 qui vient des charnières, comme on disait, à cause des fameux pare-chocs. Ouais. Pour les Américains, ils ont fait ça surtout. Hein. Oui, bah, hein, parce que les normes draconiennes aux États-Unis imposaient des pare-chocs qui s'enfoncent légèrement. Voilà. Voilà. Et le gros marché pour Porsche, c'est les États-Unis. Ah bah ça a toujours été, même aujourd'hui. Voilà. Porsche a fait son beurre, on va dire, entre guillemets, hein, sur le dos des USA, mais c'est très bien d'ailleurs, hein, très très bien. Donc la tienne, elle a un look d'une version avant 74, mais c'est une vraie 2 litres 7. Alors elle a un côté un petit peu racing, t'as mis des harnais. Des harnais. Un arceau. Un arceau, bah, une roll bar. C'est-à-dire c'est pas un arceau cage, c'est un arceau juste. De toi. Voilà. Pas d'équerre. C'était une option à l'époque pour faire du club chez Porsche. Je peux me mettre à bord. Ah, je monte dans les Porsche, je crois. Il y avait bien longtemps. J'ai une serviette parce que j'ai un mal de dos pas possible. Oh, pardon. Hop, voilà. T'as un mal de dos qui conduit une Porsche. C'est pour ça que je la vends, entre autres. Bon. On parle pas de la vente parce que c'est bien chez nous. Voilà. C'est des sièges d'origine, ça? Non, c'est des Recaro type Le Mans 73. En fin de compte, elle est remise en configuration d'une... Vraiment 73, avant 74. 73, ouais. C'est-à-dire bah, avec l'entourage des clignotants en noir, l'intérieur noir, les bandes noires, ouais. Et en version racine. Alors souvent, on disait chez Porsche, à l'époque, hein, quand on parlait de l'habitacle, hein, les essayeurs, bah, noir, c'est noir, on a tout dit. Ça a toujours été... voilà. C'est ouvert de l'autre côté, on peut? On peut, ouais. C'est là? Non, ça c'est la vitre électrique. Ah, c'est des vitres électriques. Ah, la tirette ici. Ah là, ouais. Mais je connais pas les Porsche, moi. Voilà. Ah, bah je sais pas tirer, ils ont ouvert avec le truc. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur, on se rappelle de certaines Porsche Racing qui étaient vraiment dépouillées à l'extrême. Hein. Et voilà, le côté Racing, hein, il y a eu beaucoup de Porsche comme ça. Et là, on est dans cet esprit-là, avec ce coupe-circuit qui est bien visible au niveau du tableau de bord. À la place de l'autoradio. À la place de l'autoradio. L'utilité. Oui, parce qu'elle est assez bruyante, hein, l'échappement. La musique, elle se passe derrière. D'accord, l'échappement est modifié ou... Au niveau des silencieux? Bah, c'est un échangeur et un silencieux de Carrera RS. D'accord, de Carrera RS. On entend bien. Très joli bruit d'ailleurs. Et le train avant et le train arrière aussi. D'accord. Alors on est dans une Porsche 911. Et donc il y a quelques défauts, je dirais. Ce fameux pédalier suspendu, enfin suspendu, voilà, au plancher. Bah, pour faire du talon pointe, c'est quasiment impossible. C'est pratiquement impossible. Et ça, ça a été une grosse critique des journalistes pendant des années sur les 911. La clé de contact qui se trouve à gauche, là, une question pour le public, qu'on va poser pour le public. Messieurs, dames, pourquoi la clé de contact se trouve à gauche du volant? Alors qu'on est tous droitiers pour la plupart, c'est à droite. Pourquoi? Les départs de course. Alors, qui sait? Qui a... Les départs de course. Personne ne sait? Alors pourquoi la clé sur les Porsche 911 et la plupart des Porsche, la clé de contact se trouve à gauche?
Moi je sais. Personne ne le fait en public. Il n'y a pas beaucoup qui écoutent là. Ah, vous ne dites rien. Personne. J'attends le public. Qu'un monsieur va lui poser la question. Ah, pourquoi? Là. Qui? C'est parce que le boîtier fusible il est juste derrière en fait. Pas du tout. Pas. Non. Pour les mesures de course, on rentrait aussi pour. Voilà. Aller plus vite. Voilà, on a la bonne réponse. Alors vous savez quand Porsche est arrivé au Mans, vous savez qu'à l'époque, le départ se faisait comment au Mans? Vous vous souvenez comment? Alors comment ça se passait au départ au Mans avant 71? Ah, en courant? En courant? Oui, ah bon? Fait par à pied. Oui, et les voitures étaient dans les stands? Non? Non, elles étaient sur la piste. Elles étaient en épi. En épi. Et bien sûr, quand vous, au top départ, les pilotes couraient. Et la première chose qu'ils faisaient, c'était quoi? À la main droite. Eh bien, passer les vitesses avec la main droite et démarrer aussi avec la main droite. Donc Porsche a eu l'idée de mettre la clé à gauche, ce qui permettait, j'écoute, de démarrer en premier. De démarrer, de passer les vitesses avec la main droite et démarrer avec la main gauche. On gagnait un peu de temps. Bien comment on gagnait un peu de temps en 24 heures. Mais bon, c'était déjà le principe Porsche, assez déjà recherché. Et c'est pour ça que c'est resté la clé de contact à gauche. Voilà, ça permettait de démarrer plus vite quand les départs étaient encore à l'époque en épi. Bien sûr, maintenant, ça n'a aucune utilité. Voilà pour ce petit. Je reviens vers toi. Tu savais ou pas? Ah, il y a aussi une autre raison. Tu parles. C'était aussi pour économiser une barre en cuivre. Une barre en cuivre? Ah, connaissant Porsche, ouais. Ça serait tout à l'époque, vu que les matériaux étaient très chers, dont cuivre, ils avaient mis le démarrage à gauche pour avoir juste gagné de la longueur sur du cuivre. Ça, je savais pas. C'était vrai. D'accord. Donc, il y a les deux raisons qui se disent. Le démarrage à Mans, plus le côté technique et financier. J'avais raison. D'accord. À l'époque chez Porsche, on parle du 2 litres 7, c'est la version la plus aboutie. Le 2 litres 7, bah, il y a le 2 litres 4 avant, mais le 2 litres 2, 2 litres, on a commencé en 2 litres, 2 litres 2, 2 litres 4, et on arrive à la 2 litres 7 qui est Alors, l'avantage du 2 litres 7, il a un avantage et un inconvénient. C'est un moteur en magnésium, donc c'est un moteur de course. Alors, magnésium, pourquoi magnésium? Parce que c'est un matériau très très léger. Hein? Mais du coup, la fiabilité? Bah, la fiabilité, avec le temps, ça suinte. Ah, dis donc, tu vas soupir. Mais bon, après. Dis donc, c'est nickel ton moteur. Hein. Bah, il est refait à neuf et il est à peine 5000 km. Ah ouais, bah, dis donc, on peut savoir qui a refait ce moteur. C'est écrit dessus comme le porcelet. Je l'ai pas vu. Ah, ouais. Ah d'accord. On connaît tous, hein. On connaît? Vous connaissez? Jean-François Aveu. Voilà, qui se trouve à Saint-Grégoire. Voilà, qui est très connu des Porsche. Voilà, c'est lui qui l'a refaite. Ok. Voilà, pour la petite histoire, c'est une voiture qu'il avait récupérée pour lui au départ. Ouais. Et moi j'avais une 3 litres 2. Ouais. Je venais le voir régulièrement. Ouais. Et quand j'ai vu ce qu'il voulait en faire à Bac d'Étine, il a remis en route 73. Ouais. Moi je lui dis, il me la faut quoi. Ouais. Donc j'ai fait un cahier d'échange avec des photos et ce que je voulais faire. Bon. Enfin, qu'il me fasse surtout. Aujourd'hui tu l'as vu. Ouais, pour différents. J'ai d'autres projets. Et puis, bon, on parlera pas. Ouais. Bah, si vous voulez, et vous êtes intéressé, vous irez le voir. Nous, on ne va pas parler de ça. Alors, cette voiture, au niveau de la puissance, elle a été modifiée? À l'origine, elle fait 165 chevaux et elle en fait 180. Ah ouais, là, on n'est pas loin des 200 chevaux quand même. Ouais, après. Hein? Après quoi? Attention pour faire les performances ou quoi que ce soit. Bah, une voiture comme ça sur circuit, c'est sympa, non? Oui, oui. On a fait un peu ou pas? Moi, j'ai fait du roulage au Fait de Bretagne. Au Fait de Bretagne. Et au Mans, ouais. Sur circuit. Mais bon, elle a à peine 5000, donc je suis encore en rodage. En rodage, t'as pas trop tiré dessus quand même. Et c'était comment alors, ces impressions? Bah, c'est un kart. C'est un kart. Bah, la direction, c'est hyper puissant. On passe la voiture où on veut. L'arrière, le porte-à-faux du moteur. Ah, bah, il faut pas freiner en pleine courbe. Parce que, il faut jamais freiner en pleine courbe. C'est avant qu'on écrase tout et on accélère progressivement. Voilà, progressivement, pas comme un. Non, 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 parce que c'est pareil. Voilà. Ah, bah, ça n'a pas. Voilà. Moteur en porte-à-faux, hein, voilà. Ça n'existe plus aujourd'hui, pratiquement. Voilà. Donc cette voiture, je disais, c'est un vrai 2 litres 7, même si le look de la voiture ne correspond pas à l'année. Une version racing, la peinture a été refaite aussi, puisque je vois que la peinture est quand même pas mal. Hein, un nuancier Porsche aussi. C'est sa couleur d'origine. C'est gris, silver, métal. Gris, silver, métal. Voilà. D'accord. C'était une teinte DMI en 73. D'accord, ok.
voiture assez, assez belle. Quand je l'ai vu arriver tout à l'heure, je lui ai dit, si on peut la présenter, très belle jante. J'ai gardé le plus de sobriété comme l'ADN de la marque. Que l'ADN de la marque, voilà. Pas d'artifice. Hop, je referme. Hein, franchement, moi, elle me plaît bien. Bon, je vais pas t'acheter, mais elle me plaît bien. Et moi, c'est vrai que, comme les Porsche, hein, il y en a une là tout à l'heure, les classiques hein, d'avant 74, c'est au niveau look, hein, c'est celle que je préfère. Comment on l'a trouvé, cette Porsche? Ouais. Qui c'est qui aimerait... hein? Donc, tout le monde aimerait faire un tour dans ce type de voiture. Ok. On a pris beaucoup de retard, je suis obligé de faire court. Et puis, si vous êtes intéressé, vous allez voir le propriétaire. Voilà. On va te laisser partir et merci d'avoir présenté cette voiture.